l'insigne honneur au nom du président en exercice du Conseil des ministres du CAMES et de mes homologues ici présents, de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie d'installation et de prise de fonction des dirigeants du CAMES pour vous dire combien nos États sont attachés à préserver cet outil réussi d'intégration de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Je remercie mes collègues membres du Conseil qui ont répondu favorablement à l'invitation du CAMES pour la présente cérémonie, malgré les agendas très contraignants en ce début d'année. Cela traduit, chers homologues, l'importance que vous accordez à notre organisation commune. Je souhaite aussi exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de transition du Burkina Faso, qui nous a fait l'honneur d'habiter cette cérémonie et pour l'accueil chaleureux dont il nous a gratifié dans la magnifique ville de Ouagadougou. Nous tenons à exprimer toute notre solidarité au peuple burkinabé et à tous les peuples de l'espace CAMES qui traversent des moments difficiles liés à l'insécurité. Je voudrais également rendre un vibrant hommage au feu professeur Bertrand Mbatchi, 6e secteur général du CAMES, qui nous a quittés le 25 septembre 2021, au lendemain de la fin de son mandat. Ses réalisations resteront écrites en lettres d'or dans les annales de notre institution commune. Je saisis aussi cette occasion solennelle pour adresser mes remerciements au secteur général sortant pour avoir réussi à organiser cette cérémonie dans le temps imparti et dans le respect des textes réglementaires qui régissent notre institution commune. Honorables invités, mesdames et messieurs, le CAMES est ce que nous avons de plus précieux comme outil d'intégration panafricaine à l'aide de la mondialisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. À travers le CAMES, nos États ont su affirmer les valeurs de solidarité scientifique pour se doter d'un instrument commun d'intégration et d'harmonisation de leur système d'enseignement supérieur et de recherche. À cet effet, nos pays ont souverainement confié au CAMES la gestion de la promotion de leurs enseignants-chercheurs et chercheurs, mais aussi l'évaluation des offres de formation délivrées par leurs universités, instituts et grandes écoles, selon un référentiel commun et dans une approche qualité basée sur les normes internationales. On peut se réjouir de l'aura du CAMES au niveau régional et international. Notre institution commune est aujourd'hui reconnue par les parties prenantes et ses partenaires comme une institution leader du développement de ses États membres par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et un organisme garant de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers les outils qu'il disponibilise gracieusement et les directives qu'il édicte dans notre espace. Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard de ce bilan élogieux, je ne saurais manquer de rendre hommage aux secrétaires généraux qui sont succédés à la tête de notre institution. J'ai nommé professeur Joseph Kizerbo du Burkina Faso, professeur Elie Kokou Kotso Nathaniel du Togo, professeur Henri Valère Kinifo du Bénin, professeur Rambré Moumouni Ouimanga du Burkina Faso, professeur Mamadou Moustapha Sall du Sénégal et professeur Bertrand Mbatchi du Gabon, sans oublier ceux-là qui ont eu à accompagner ces brillantes personnalités, dont notamment professeur Seth Wilson, professeur Samuel Milongo, professeur Emmanuel Ntibaying Doussa et Thibon Siméo Cabré et professeur Napon Abou. Au nom du Conseil des ministres du CAMES, je leur adresse la reconnaissance de nos nations respectives pour avoir œuvré, chacun selon ses moyens, pour le rayonnement de notre institution commune. Je tiens en particulier à féliciter le professeur Napon Abou, au nom du Conseil des ministres et de l'ensemble du monde universel de notre espace, pour avoir su gérer avec beaucoup de tact l'institution après la disparition brusque du professeur Bertrand Mbatchi. Un vibrant hommage mérité
doit être tendu également au comité consultatif général, instance académique suprême du CAMES, qui a su, en synergie avec le secrétaire général du CAMES, jouer avec compétence et dévouement son rôle de garant de l'application des différentes décisions et résolutions prises en Conseil des ministres au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Monsieur le président du CCG, votre instance doit constituer les yeux et les oreilles du CAMES au sein des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Le CAMES restera toujours votre porte-voix au niveau du Conseil des ministres. C'est cette complémentarité de l'action qui fait la force de notre institution. Monsieur le secrétaire général entrant, professeur Souleymane Konaté, je vous réitère nos vives félicitations, les félicitations de l'ensemble du Conseil des ministres, de nos chefs d'État, pour votre nomination à ce poste stratégique au sein du CAMES. L'accomplissement de votre mission et la concrétisation de votre vision que vous venez de décliner, vous pouvez compter sur notre soutien inconditionnel. J'invite par la même occasion toute la communauté universitaire de notre espace à vous épauler de l'exécution de votre projet institutionnel qui, je suis certain, apportera un nouveau souffle au programme statutaire de notre institution panafricaine de référence. En attendant, je vous souhaite bonne chance et plein succès dans votre difficile mais exaltante nouvelle fonction. Tous les meilleurs vœux du Conseil des ministres vous accompagnent. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour terminer, j'aimerais inviter tous les États membres à apporter leur soutien au secrétaire général du CAMES en lui fournissant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour lui permettre de jouer pleinement son rôle d'agence conseil pour lui permettre de jouer pleinement son rôle d'agence conseil dans ces domaines vitaux et prioritaires que sont l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le CAMES ne pourra pas réaliser ses activités sans le soutien actif des États membres appelés à honorer leur contribution statutaire. Le CAMES ne pourra pas non plus réaliser ses programmes statutaires si les États membres ne payent pas les services rendus. J'en appelle donc à l'application des résolutions récurrentes du Conseil des ministres qui appellent chaque année les États membres à appuyer leur arriéré vis-à-vis du CAMES pour donner la crédibilité à notre institution et son image de marque. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais conclure mon propos en souhaitant à tous une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu assiste le CAMES, vive l'intégration africaine, vive le CAMES. Je vous remercie.